Good morning. Allez, il donne tout ce jour le Shmat me Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Shalom Binyamin ben Mazal ainsi que le Fadr Rav Shmuel ben Chamalia, Miriam ben Chassida ben Dov ben Yudit et Sarah ben Betir Rivka ben Torcha Chol Israël. Si vous êtes aussi dédié une prochaine étude du Mishnah contacté à 5 minutes éternelles, nous allons essayer de trouver une périclet Mishnah Vav. Beitzat Hasheretz Amerukemet Tehora Nikva Kol Shehu Tmea Achbar Shechetziyo Basar Vechetziyo Adama Anogea Babasar Tame Anoga Baadama Tahor. Rabbi Yudo Omer Afanoga Baadama Shekeneged Habasar Tame. Bon, deux parties de la Mishnah. La première partie, elle est relativement simple, elle concerne ce qu'on avait évoqué dans la Mishnah précédente. À savoir, on avait évoqué d'abord une Mishnah, un sujet très important, que la viande d'un Sheretz, elle, la chair du Sheretz, elle rend impure. Bien sûr, ça, on le connaît très bien. Elle rend impure par maga. Je veux bien le préciser, elle ne rend pas impure, elle, par déplacement. Le Sheretz d'abord, excusez-moi, je suis parti trop vite. Le Sheretz, c'est les 8 rampants évoqués par la Torah qui véhiculent une Touma très particulière. Une Touma, Touma Sheretz, Touma Sheretzim. D'un côté, elle est plus marmire que la Touma Tenevela, elle est plus rigoureuse que la Touma Tenevela, parce que la Touma Tenevela, il faut qu'elle ait un kazaït. Le Sheretz, c'est juste Kahadasha, la taille d'une lentille, alors que l'autre, c'est le volume d'une olive, pour la Nevela classique. La Nevela classique, c'est-à-dire un cadavre de vache. Pour le Sheretz, c'est d'abord B, Kahadasha. Comme une lentille, une taille lentille. Mais d'un autre côté, il y a quand même une certaine coula. À savoir, si je déplace la nevela, même avec un bâton, je la bouge, je deviens impur. Alors que le sheretz, il ne rend impur que si je le rentre, je rentre en contact avec lui, je le touche directement. D'accord ? À part ça, bien sûr, je peux aussi toucher les enveloppes qui le protègent. Et je deviens quand même impur, comme ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, à condition que cette chose, que cette viande puisse être touchée pour devenir impure. C'est-à-dire à partir du moment où il y a moyen d'entrer en contact avec elle, je suis impur même si je touche ce qui le protège. Et c'est précisément sur ça que débute la Mishnah en nous disant « Beitzat ha-sheretz ha-merukemet » un œuf d'un reptile ou bien d'un rampant qui a déjà formé sa peau. C'est-à-dire, on a... Par exemple, il précise qu'il y en a 3 spécifiquement. Parmi les 8, il y en a 3 qui ont cette singularité, qui sont le Tzav, l'Eta'a, Chomet. Alors, l'Eta'a et Chomet. L'Eta'a, c'est le lézard. Chomet, c'est la limace. Tzav, alors là, c'est délicat. Parce que Tzav, en hébreu moderne, ça se traduit par une tortue. Mais je suis quasiment sûr qu'on a déjà mis en garde de ne pas traduire le mot Tzav par tortue, mais que c'est une autre chose. Je ne suis plus capable de vous le dire. J'ai un peu oublié, ça fait plusieurs années déjà. Mais en tout cas, pour la laita, en tout cas, la laita, donc la limace et chomet, plutôt la laita, c'est le lézard, et chomet, donc c'est la limace, eux pondent des œufs. S'ils pondent des œufs, alors maintenant, donc, on a des petits chérettes enfermés dans une petite boule. Si ce chérette-là qui est à l'intérieur, il est mort ou il n'est pas viable pour le moment, eh bien, il véhicule lui aussi une impureté, en théorie. Il peut véhiculer une impureté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas entrer en contact directement avec lui, parce que pour le moment, il est fermé dans son œuf. D'où la Mishnah m'enseigne. Si, tant que l'œuf, il est fermé, tu peux le déplacer, tu ne seras pas impur. Mais si toutefois l'œuf, il a même un tout petit trou, quand tu peux entrer en contact avec lui, faire entrer quelque chose comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah d'hier, même faire entrer même un cheveu à l'intérieur, donc il y a moyen d'entrer en contact avec lui. Donc dans ce cas-là, toute la coquille d'œuf qui le protège, eh bien, elle ne va pas faire écran pour devenir impure. Ça s'appelle que tu entres en contact avec le chérette qui se trouve à l'intérieur directement. D'accord? Puisqu'il y a moyen de le toucher. Donc tu seras impur même en touchant sa protection. Et c'est ce que la Mishnah enseigne. Betzat ha-sheretz ha-merukemet. Sheretz merukemet, c'est que c'est un sheretz, c'est un dérampant, un lézard ou une limace, mais qui est Merukam, qui a déjà formé sa peau. L'œuf, le fœtus, je ne sais pas comment ça s'appelle quand c'est dans un œuf. En tout cas, tant qu'il est en plein développement, au début on a un jaune d'œuf avec un point rouge. Doucement, les cellules vont se doubler pour former un embryon, je ne sais pas, pour former un petit lézard, par exemple. Et bien, dès que ça va former un petit lézard qui a déjà une peau, alors là, on considère qu'on a un lézard mort devant nous, et donc, de ce fait, on va devenir impur, éventuellement, en le déplaçant, en le touchant plutôt, même par l'intermédiaire de la coquille, à condition qu'il y ait un petit trou.
Donc là, bien renseigné. Betsat, Hacheret, Merukamet. Un œuf d'un rampant qui est Merukam, qui a formé des récamotes, qui a formé des peaux. Il est déjà recouvert de peaux. Et bien, pour le moment, Tehora, on est pur, même si on le touche, parce que pour le moment, elle ne... ce qui est à l'intérieur ne peut pas être touché, donc on ne peut pas le toucher par l'intermédiaire de la coquille. Ok ? Il y a un écran. Par contre, Nikva Kolcheu, si tu l'avais mis un tout petit trou, au point où on va pouvoir maintenant rentrer dedans un cheveu, même à la limite, pour que maintenant, ça va nous rendre impur, le chéret, le lézard, par exemple, le lézard mort qui se trouve à l'intérieur. Alors dans ce cas-là, ça peut rendre impur par contact, donc ça va rendre impur même si je rentre en contact avec l'œuf directement. Nikva Kolcheu, même s'il y a eu un tout petit trou, eh bien, Tmea, maintenant ça va véhiculer l'impureté. On a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, elle est vraiment très compliquée parce que je ne comprends pas de quoi il parle. D'accord ? D'habitude, dans le Tiferet Israël, on parle d'une espèce très originale en fait que. Achbar shechetzio basar vechetzio adama. Si on a une souris ou un rat qui est à moitié de la chair et à moitié de la terre, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est une espèce particulière. On parle de manière générale, on connaît les souris, on connaît les rats, ils ont une reproduction bisexuée. D'accord, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il y a des mâles et des femelles. Mais on parle, Barthelmann nous rapporte que là, on parle d'une souris spéciale qui se reproduit toute seule. C'est là, ce qu'on appelle la reproduction asexuée. C'est pire que ça, je crois que c'est même par soi-même, je ne sais pas exactement comment ils font. Mais en tout cas, eux, ils ont un statut spécial. En plus de ça, cette souris-là, en plus de ça, elle a une particularité qu'elle est à moitié de terre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord. Je peux vous dire ce qu'on a lu, quoi. Comme ça, il dit le Barthelmann, je traduis littéralement. Yeshmin Achbar, Sheno Pare Verave. Elle a Matzmo Notsar Mina Adama, qui Ashpa Amashretzet Tolaim. Il y a, je vous traduis, il y a une espèce de souris, Sheno Pare Verave, qui ne se reproduit pas avec un mâle et une femelle, mais plutôt, elle a Matzmo, mais de lui-même, Notsar Mina Adama, il se fait créer à partir de la terre, qui Ashpa Amashretzet Tolaim. Tout comme une poubelle, une déchetterie, qui va naturellement faire pousser des vers, alors que c'est pas qu'elle va... Ouais, quand il y a des choses comme ça qui tournent et qui deviennent des vers, c'est pas qu'elles deviennent des vers de l'extérieur, c'est des choses qui vont pourrir eux-mêmes, ils vont se transformer maintenant pour devenir des êtres vivants, des vers, réellement. Eh bien, il y a aussi la même chose aussi, le même principe avec une souris, et une souris spéciale. Et donc, le partenaire maintenant va continuer à nous enseigner. Sache que si maintenant, imagine qu'en fait, cette souris, elle a été formée à moitié, elle n'a pas fini d'être formée. À droite, c'est une souris déjà, et de l'autre côté, c'est encore de la terre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé. Je peux faire que traduire et comprendre à partir des livres que j'ai, mais ils n'expliquent pas plus non plus. En tout cas... Après, je vous dirai ce qu'est écrit le Tosfot Yom Tov au nom du Rambam, c'est encore plus étonnant. Mais en tout cas, il y a cette espèce-là de souris qui est à moitié être vivant, à moitié terre. Et bien, dans ce cas-là, la Mishnah m'enseigne, Anoga Babassar, Tamé, si tu touches dans la partie viande, chair, alors tu vas devenir impur. Mais Anoga, mais par contre, si tu vas toucher dans la partie Adama, Adama, dans la partie qui reste encore terre, et bien, Tahor, tu vas devenir pur, tu vas rester pur, puisque tu n'es pas encore en train de toucher un rampant en bord, tandis que Rabbi Yehuda Omer, Afanoga, Baadama, chez Kenegel, Abassar, Tamé. Rabbi Yehuda nous enseigne que même celui qui va entrer en contact avec la partie terre, eh bien, qui est donc en face de la. Qui est en parallèle avec la chair, eh bien, il va devenir impur. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup à comprendre, en tout cas, on a traduit la Mishnah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a le Barthénora, et il y a le Tosfot Yom Tov maintenant qui me rapporte quelque chose supplémentaire en disant la Shona Rambam. Le Rambam va nous expliquer. Veuinien mefursam meod. En mispar la rova magdim lichera ouzé. Le Rambam témoigne que c'est quelque chose, qu'une réalité pareille, eh bien c'est quelque chose qui est connu au possible, qui a un nombre infini de cas qui a entendu parler d'un cas pareil. Afalpi shemitzud balchai kaze davar matmiya velonodabo taana bishumpanim. Bien qu'une réalité pareille, d'un être vivant pareil, c'est quelque chose qui est très étonnant. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Velo no dabo ta'ana bishumpanim.
Enfin voilà, écoutez, Vezel et Datit, Anak de là, Almamina Kelmut, on peut s'arrêter là. On a fait ce qu'on a pu, on a essayé d'expliquer cette Mishnah avec quelque chose de très étonnant, que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ma foi, Baruch HaShem, on a étudié la Torah, on a étudié une Mishnah, il y a probablement, c'est sûr et certain qu'il y en a été. Il y a comme ça aussi, il y a des, toutes sortes de vermines. Je sais que ça existe le principe en tout cas. C'est que, ouais, il y a des sortes de vermines qui prolifèrent à partir de rien, c'est-à-dire que ça s'encrasse, ça pourrit, et puis ça fabrique de la vermine. C'est pas que ça vient de l'extérieur. Et apparemment, il y aurait une sorte de souris pareille, et donc elle a un statut aussi qu'elle va rendre impure. Et comme ce qu'on a dit, il y a une marloquette maintenant sur la partie chair ou la partie terre de l'animal. Qu'est-ce qui véhicule l'impureté? Est-ce que c'est juste la chair ou bien c'est même la partie terre? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.